Hello, hello, c'est Casemus pour ce jeu de technique sur les tirs. Donc, vous voyez que je suis premier mondial. Donc, avec ma technique, vous allez voir que c'est très facile d'aller très haut. Alors, il y a une première chose à faire qui est importante pour réussir ce jeu technique. Et en tout cas, le réussir de façon optimale, c'est d'aller dans les commandes et de changer donc la configuration de manette en mettant les déplacements du joueur à la place des tactiques et mentalités. Tout simplement, on va diriger avec la croix directionnelle afin d'avoir des directions très très précises, hein, et ne pas avoir de problème. Donc vous voyez, j'ai mis en rouge le carré, une zone où vous devez placer en fait votre ballon au milieu de ce petit carré. Alors vous pouvez utiliser L1 ou LB pour ça, avec donc la structure de la pelouse. On peut voir qu'il y a des petits carrés, et attendre que la gourde, cette gourde-ci, soit à la fin de son trajet. Arrive à la fin de son trajet. Lorsque c'est le cas, il nous suffira de tirer en maintenant la touche R1, par défaut la touche pour faire une frappe enroulée, de frapper, de maintenir cette touche-là. Donc la touche-là, on peut la maintenir bien avant, hein. De frapper et en même temps de diriger la croix directionnelle vers la droite, vers l'avant, tout simplement, afin d'avoir vraiment la direction, hein, comme je vous l'ai dit. C'est ça qui nous permet d'avoir une frappe qui soit toujours identique à chaque fois. Si on avait utilisé le joystick, on aurait peut-être dévié de quelques millimètres, et ça suffisait tout simplement à changer la trajectoire de notre ballon. Or, avec la croix directionnelle, on a cette trajectoire unidirectionnelle, j'ai envie de dire, avec la flèche avant. On a juste à maintenir cette flèche pour éviter que votre joueur court. Vous allez voir que mon joueur va faire une petite course avant de tirer. En fait, il faut de tirer juste avant d'appuyer sur la touche droite. Vous appuyez avant et très très rapidement de mettre la direction. Voir que donc là je vais rater. Les premières fois, vous allez voir que les premières fois vous allez peut-être rater. Vous allez vous dire comment on fait. En fait, il y a quand même un petit timing à avoir, hein. Une fois qu'on a ce timing, vous allez voir que vous allez assez vite enchaîner les gros résultats. Et voilà, c'est assez simple à comprendre comme manière de faire. Grâce à cette croix, hein, vraiment on a la possibilité de tirer toujours à peu près au même endroit. Donc voilà, ça marche évidemment avec tous les joueurs, hein. J'ai fait un score avec Alves qui était assez gros. J'ai essayé avec beaucoup de joueurs, Neymar, avec Karim Benzema, j'ai fait des gros scores, voilà. Donc enfin tous les niveaux, prenez quelqu'un qui se débrouille quand même. Voilà, donc normalement là vous le passerez, hein, si vous l'avez jamais passé, là vous le réussirez tranquillement. Et je vous dis, en perfectionnant encore, vous pouvez facilement aller dans le haut du classement. Voilà, donc je vais en profiter pour vous parler un peu de la chaîne. Donc on est le vendredi 13 décembre et c'est mon anniversaire. Et un truc qui serait génial, alors je demande rien à personne, hein, mais avoir 1000 abonnés le jour de mon anniversaire, ça serait quand même un truc de fou. Donc avant minuit, ça serait bien. Bon, si c'est pas fait, tant pis. De toute façon, je vous remercie d'être quand même aussi nombreux, et je ne plains pas déjà de la chance que j'ai que d'avoir autant d'abonnés que ça. Et c'est vraiment excellent, hein. Je vous remercie vraiment à ceux qui commentent. Comme ceux qui commentent pas, mais ceux qui commentent particulièrement aussi, ceux qui mettent des petits pouces verts, c'est excellent, franchement génial. Et d'ailleurs, en parlant de ça fait plusieurs jours que je pense à faire une vidéo un peu spéciale où je vous demanderai vos questions. Donc ce que vous vous demandez sur FIFA, tout ce qui vous gêne, tous vos problèmes, vous en parlez, et moi je tenterai en tout cas d'y répondre dans une vidéo. Et voilà, donc vous voyez que là je suis déjà à 81 points. Et vous allez voir, donc celle-là je vais la manquer. Vous allez voir que pour le dernier je vais me rater lamentablement. Hop, la balle qui sort, et voilà. J'aurais pu faire bien plus. Enfin bien plus, j'aurais pu faire plus.
80 000, donc je bats mon précédent record sur cet exercice là. Et donc vous voyez que c'est très simple. Je pense que peut-être que d'ici quelques jours on sera pas mal de Français à être dans le top 5 hein, sur Xbox One, je précise, mais après je sais que si vous regardez ça pour la PS4, ça marchera certainement aussi bien de toute façon. Donc voilà, on va prendre d'assaut ce classement là et puis on va voir si je vous propose d'autres choses. J'ai d'autres trucs en réserve, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres trucs, d'autres petites choses qui vont arriver pour les jeux techniques. En attendant, moi je vous souhaite de très bons records et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.